dans la rue des bons enfants. On vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes. Un poulet zélé vint vite, il portait une marmite qui était à renversement et la retourne imprudemment. Le brigadier, le commissaire, mêlé au poulet vulgaire, partent en fragments et part qu'on ramasse sur un buval. Contrairement à ce qu'on croyait, il y en avait qui en avait. L'étonnement est profond, on peut les voir jusqu'au plafond. Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie, prolétaire, c'est la chimie. Les socialos n'ont rien fait pour abréger les forfaits. L'infamie capitaliste, mais heureusement vient l'anarchiste. Il n'a pas de préjugés, les curés seront mangés. Plus de patrie, plus de colonies, et tout pouvoir, il le nie. Encore quelques beaux efforts, et disons qu'on se fait fort de régler radicalement le problème social en suspens. Dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre au plus offrant. L'avenir radio prend place et le vieux monde est à la casse. Wouh! La première fois que je l'ai chanté par cœur, j'avais 6 ans celle-là. En fait, on avait une cassette avec toutes ces chansons-là chantées par les 4 barbus et d'autres. Et en fait, quand on s'est retrouvé en Pologne, parce que mon père s'est retrouvé à bosser en Pologne communiste, la police politique, en fait, est entrée par effraction dans la bagnole, a piqué l'autoradio et toutes les cassettes de chants anarchistes. Les autres, elle les a laissées. Mais on avait Vian, les 4 barbus, on avait tout ça. Et c'est... l'autoradio avec. Ouais, ah bah, il fallait qu'ils puissent les écouter eux-mêmes.